Good morgen, allez, Iden, les sutras aujourd'hui, les Lunishmat, Richard, Ben Fortune, Mazal, Claude, Estrek, Ben Fortune, Mazal, Dani, Myriam, Bat, Elisa, Sayak. Si vous souhaitez, vous aussi, des dieux, une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Serkium, à Perikim, Mishnah, Zayn. Kol ma'ase yom kippurim, im ha'amour ala seder, im igdim ma'ase la chavero, lo asa klum, igdim damase yom dam apar, yarzor veyaze mi dam asair, la achar dam apar, vimad shelo gamat amat anot shebifnim nishpach adam. On va traduire directement la Mishnah, et après on l'expliquera plus longuement. Kol ma'ase Yom Kippourim, toutes les actions rituelles de Yom Kippour, c'est-à-dire des rituels spécifiques à Yom Kippour, comme on a vu durant tout le Pérec, qu'à Yom Kippour, on a l'asperge du sang dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Echal, sur la Parochet, sur le Mizbeach. Sache que tous ces rituels-là, à Amour à la Seder, qui ont été énumérés selon un ordre particulier, Dama Par, Dama Saïr, dans le Kodesh HaKodeshim, sur la Parochet, puis après on les mélange, on les fait sur le Mizbeach, comme ce qu'on a vu, eh bien la Mishnah me dit, Im Hikdim Ma'asela Chavero. S'il a devancé, il a commencé, il a inversé l'ordre en fait. Il a fait l'action qu'il devait réaliser ensuite, il a fait précéder l'action qui devait être ensuite, après. Eh bien, lo asaklum, il n'a rien fait de grave, il n'a rien fait. Ni il a détérioré, ni rien, et donc il devra rattraper le tir. Par exemple, igdim dama saïr le dama par, s'il a commencé asperger le sang du saïr avant le sang du par, eh bien, yachzor veyazem et dama saïr le achar dama par. Il recommencera, après avoir aspergé le sang du par, il recommencera à asperger le sang du saïr du bouc. Veyemad shelo gamat matanot bifnim nishpach adam. Et si jusqu'à qu'il n'a pas encore fini les matanot d'asperger les sangs qu'on avait dit de faire à l'intérieur dans le Kodesh HaKodeshim, nishpach adam, le sang s'est renversé, donc il ne peut plus continuer. Yavi damacher veyarzor veyaze batechila veyarzor veyaze batechila bifnim. Il apportera un autre sang et il recommencera à asperger depuis le début la voda du qui était en intérieur du Kodesh Goshim. Vechen beechal, idem pour le echal, vechen be mizbeach hazav, et idem pour le mizbeach hazav. Les aspersions qu'on faisait sur le mizbeach hazav, le mizbeach haktoret, le petit mizbeach en or, que shekulan kapara bifnatsman, car chacune des étapes est une Kapara est une expiation indépendante. Et je m'explique. Pour rappel, maintenant, on ne va plus reprendre toute la Avodat Yom Kippour. Pourquoi pas? Allez, on pourrait le faire quand même. Allez, j'aime tellement faire. Il se trempe au Mikvé, puis il a fait le vidouille sur le par, il a tiré au sort le Saïr, il a fait le vidouille sur le par une deuxième fois, il a fait la Shrita du par. Jusqu'à maintenant, on laisse ça de côté. À présent, il doit maintenant commencer à faire la Avodat à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim, vous rappelez? Il a pris le sang du par, il rentre et l'asperge dans le Kodesh HaKodeshim. Il sort, il le pose. Il apporte le saïr, il fait la shrita du saïr, du bouc. Il réceptionne le sang, il va, il asperge dans le Kodesh HaKodeshim, il sort du Kodesh HaKodeshim, et puis maintenant, il se retrouve face au Echal. Il se retrouve dans le Echal, face à la parochette. Il reprend de nouveau le sang du par, du taureau, et puis il asperge une achat, sheva le matin. Et puis après, il reprend le dama saïr, et il recommence. Achat le mala, sheva le matin. Après, il les mélange, et puis il va asperger sur le misbeach hazav. Chaque tronçon d'aspersion de sang, entre la vodote qu'il a fait à l'intérieur du Kodesh HaKodeshim, la vodote qu'il a fait dans le Echal, et la vodote qu'il fait du Mizbeach, c'est une entité, c'est un tronçon indépendant. Il faut savoir, si tu n'as, si dans un tronçon, tu as eu, le Kohen Gadol, il a eu un empêchement, il a eu le sang s'est renversé par exemple, alors il devra recommencer tout le tronçon. Mais s'il a achevé le tronçon et que le problème s'est passé au prochain tronçon, au prochain segment, eh bien, il ne devra plus recommencer tout depuis le début, mais juste là où il a eu le problème. Donc, il a commencé à prendre le dame à part. Alors, la Mishnah me enseigne deux choses. Si tu inverses d'abord, alors tu dois recommencer par exemple. Je t'avais dit, tu prends le dame à part et tu prends le dame à saïr. Tu dois asperger le dame à part, puis après tu dois asperger le dame à saïr. Il a commencé par asperger le dama saïr avant le dama par. Donc il a fait achat le mala, cheval le mata du dama saïr, et puis après achat le mala,
Cheval et Mata, du Damapar, après il dit, je me suis trompé, c'était le Damapar. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il devra, en théorie, tel que c'est écrit dans le Mishnah, il devra reprendre le Damasahir et recommencer l'aspersion. La première série d'aspersion que tu as fait du Damasahir, du sang du bouc, sur la, en direction du Aaron, ça a servi à rien. Ça n'a rien invalidé, ni plus ni moins. D'accord? Lo'il velo isik. Ni ça a eu un intérêt, ni ça a détérioré quoi que ce soit, tu reprends le sang. Et entre parenthèses, un grand problème technique, c'est que si l'asperger le Damasahir, en théorie, tu dois d'abord faire le Damapar, l'asperger, et puis seulement après tu commences à faire la chrétie du Damasahir. La Gemara en parle, elle propose plusieurs réponses, je préfère pas allonger. D'accord? Donc en fait, ta première série, Damapar, Damasahir. Tu les as inversés. T'as commencé avec le Damasahir, tu dois refaire ensuite après. Et tu devrais faire le Damapar et recommencer le Damasahir. Après, t'es sorti dans le Echal. On t'a dit, tu reprends le Damapar, tu commences à asperger le Damapar. Après, tu prends le Damasahir, tu asperges le Damasahir. Qu'est-ce qu'il a fait l'ami? Non. Comment il a commencé avec le Damasahir? Il a sorti avec le Damasahir. C'est pas grave. Tu reprends le Damapar, t'asperges. Et tu reprends ensuite le Damasahir, tu asperges. Et idem aussi pour le troisième tronçon, c'est sur le Misbeach Hazav. C'est-à-dire les quatre coins, plus ensuite le Taharo Shal Misbeach, le toit du Misbeach, même principe. Si toutefois, dans chacun de ces segments, il a eu une galère, il y a eu un honnête, qu'il y a eu un accident, ça s'est renversé, il a été impurifié le sang, il a eu X ou Y qui ne peut plus continuer. Alors sache que maintenant, dans cette série-là, tu as commencé à asperger. Achat le mala, achat ve achat, achat ve shtaim, achat ve shalosh, achat ve... Tout s'est renversé. Bon ben, c'est pas grave, on n'a plus de sang, qu'est-ce qu'on va faire? C'était quoi? C'était le Damapar. On va porter, on arrête là, on fait une petite pause, on sort vite dehors, on fait signe, amenez vite un par, et on lui fait la shrita, on a besoin de sang. On part directement dans le Echal, on ne va pas reprendre depuis le Kodesh HaKodashim. Parce que dans le tronçon, le segment Kodesh HaKodashim, il a été bien fait. Fermé. Tac, on passe au segment dans le Echal sur la parochette. T'as fini maintenant de faire les aspersions de la face à la parochette, maintenant c'est le nouveau segment, c'est le Misbeach Hazav. T'as de nouveau une galère là-bas, il y a eu un problème, imaginez là-bas il fallait le sang mélanger entre le Damapar et le Damasahir. Il a tout renversé. Bon bah ben, il a tout renversé. On va porter un par et un saïr, on va faire la chrita, on va se besoin de le sang, on les mélange, et puis on va directement asperger sur le Misbeach Hazav. D'accord? Ça c'est la vie de Tanakama. C'est ce qu'on avait vu, donc, si, Veimad, Shalo Gamaret, Matanot, Bifin, Nishpach, Adam, si, tant qu'il n'a pas fini de faire les Matanot, les dons, c'est-à-dire les offrandes, les aspersions, sur le, à l'intérieur, alors Nishpach, Adam, le sang s'est renversé, Yavidam Acher, Veyarzor, Veyazeb, Atechila, Bifinim, il reportera un sang, il recommencera le même segment depuis le son début. Vechen, Bechal, idem pour le Echal, Vechen, Bemisbach, Zav, idem pour le Misbach, Zav. Pourquoi? Shekulan, Kapara, Bifin, Asan, car chaque tronçon est une Kapara indépendante. On continue. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim, Rabbi Elazar et Rishon, ils ont un autre avis, eux. Mimakom, je ne sais pas, 5. Misham Omatril. Non. Sache que c'est pas. On avait dit, au total, il y avait 43 aspersions. C'est pas qu'il y a 3 gros tronçons. C'est pas vrai. Il y a 43 tronçons. Là où tu as eu. Mimakom, je ne sais pas, 5. Là où tu t'es interrompu parce que tu as eu la galère, ça s'est renversé. Après, Achat, Achat Veshtaim, Achat Veshalosh, Achat Veharba, hop, ça s'enverse. Tu vas chercher un sang, tu continues depuis Achad Vechamash, là où tu en étais exactement. Tu ne reprends pas tout le segment depuis le début. C'est comme ça qu'ils discutent. C'est déduit de Psukim dans la Gemara. Et bien évidemment, la Halakha est établie comme Tanakama, que chaque segment doit être une entité. Et donc, s'il y a eu un problème au milieu, il faudra reprendre ce segment-là depuis le début. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov Selah.